Après les deux premières caravanes des mois d'avril et septembre, marquées par l'implantation de 14 et 16 assemblées, la région du Sud Comoé a clôturé l'année 2023 avec sa troisième caravane qui a vu l'implantation de 18 autres assemblées, faisant un total de 48 implantées dans l'année dans cette région spirituelle du sud-est de la Côte d'Ivoire. Tout comme les précédentes, cette caravane a connu aussi son lot de particularités, la rendant exceptionnelle et atypique. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis d'atteindre nos objectifs en termes d'implantation d'assemblées. Une des choses qui m'a marqué, nous avons vu des frères, même sans tam-tam, qui ont pris des bouteilles et les bidons pour louer Dieu. Véritablement, le Seigneur est avec nous. Malgré les difficultés, malgré les oppositions, comme l'a dit notre leader régional, le Seigneur Jésus a renversé les démons de la zone. De Bassamatiapoum, passant par Beaunois, Ayamé, Crinjabo, les saints pour plusieurs dans des endroits très reculés de la ville ont rendu agréable cette grande fête de la conquête. À la tête de cette délégation conduisant la caravane, le pasteur Théo, pasteur principal de la région du Sud Comoé, ce sont plus de 10 localités qui ont été visitées. Ça a été un travail laborieux, un travail en même temps passionnant, vu l'état des routes que nous avons empruntées. Certaines de ces routes étaient très chaotiques et Dieu nous a fait la grâce que pendant tout ce parcours-là, nous n'avons eu aucun accident, aucun incident. Nous avons rencontré une ferveur exceptionnelle dans les villages où nous sommes passés pour faire les implantations. Les frères nous attendaient véritablement avec beaucoup de joie. Et on rend grâce à Dieu pour cela. Ça nous a permis d'implanter 18 assemblées, dont 4 nouvelles localités. Nous rendons grâce à Dieu pour ce travail qui a été accompli. Nous étions accompagnés d'une équipe très dynamique. Il y avait le pasteur Didier Bourou et son épouse. Il y avait le pasteur Kwakoukan Jérémy de Grand Bassam. Il y avait le pasteur Kofi Noël, le Sodigui Noël de Kofi Kro. Il y avait certains anciens qui étaient avec nous, que ce soit d'Aboisso ou que ce soit de Beaunois. Tout cela nous a accompagnés. C'était une équipe de 11 personnes environ. Et ça a été une fête vraiment, à mon avis, c'était une fête qui a réussi. Par habitude, c'est la zone de Bassam qui va ouvrir le jeudi 21 décembre cette caravane de 3 jours avec l'implantation de 2 assemblées. Sous la direction principale du pasteur Kwakoukan, Bassam a participé à toutes les 3 caravanes du Sud Comoé avec au total 4 assemblées implantées durant l'année dans cette zone. Après la 155e et la 156e assemblée, c'est la zone des Beaunois dirigée par le couple Boro qui prendra le relais. Ici, 2 autres verront le jour, précisément à Yao et une autre assemblée à Beaunoisville. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce jeudi 21 décembre 2023, ce jeudi 21 décembre 2023, à 12h07 minutes, à 12h07 minutes, la 157e assemblée du Sud Comoé est implantée. La 157e assemblée du Sud Comoé est implantée. Amen. Amen.
nourrissant avec tous les dons spirituels nécessaires pour accomplir ta tâche. Nous t'établissons victorieuse dans cette localité. J'ai seulement dit merci à Dieu pour cette grande responsabilité. Moi qui viens de me donner moi et mes soeurs. Moi que le Seigneur lui-même vraiment m'accompagne, nous accompagne moi et mes soeurs dans cette grande tâche que nous avons ici. Qu'on soit à la hauteur et on sait que vraiment on est arrivé. C'est avec le Seigneur que toujours la vie. Et la gloire et l'honneur lui. Vous la connaissez? Qui la connaît? C'est votre monitrice? Qui veut qu'elle soit la monitrice? Qui veut pas? Tout le monde veut. Alléluia. Nous plantons la 159e assemblée du Sud Comoé. Amen. Cette première journée sera marquée par l'établissement de deux autres assemblées à Diaké et à Sini, pour un total de 7 assemblées implantées dans cette première journée. Une journée où le pasteur Théo s'est saisi de son passage dans chaque nouvelle assemblée pour encourager, exhorter et fortifier les saints, se faisant aider de par moments dans sa tâche par le pasteur Boro Didier. Le lendemain vendredi, deuxième journée, c'est la localité de Kofi Gros qui ouvrira la série de 6 assemblées implantées ce jour, précisément à Crécy, Amoakro, Bema, Krenjabo et Saouma. Des localités très distantes les unes des autres, mais qui confirment l'extension de la CMCI dans le sud Komoué, comme c'est le cas à Amoakro, qui vient d'être le dernier village atteint par l'évangile sur le tronçon Aboisso-Ayamé Extension et qui accueille la 164e assemblée. Et tout comme à Amoakro, les nouvelles assemblées de Krenjabo et d'Akrissi ne sont ni dans les maisons, ni sous des hangars, mais sous des arbres. Une position qui ne représente en aucun cas un frein à la croissance numérique. Et pour confirmation, après l'implantation de la 164e assemblée à Akrissi, deux âmes se feront baptiser sur place par quelques membres de la délégation du pasteur Théo, à savoir le pasteur Boro et Yapo, bien sûr dans une atmosphère de joie. Après la redécouverte des assemblées sur les arbres, qui sont pratiquement devenues des traditions dans le sud Komoué, car il faut le dire, dans cette localité, le cadre et la logistique ne représentent aucune barrière à l'implantation des églises, et cela va se traduire encore à Bema, qui accueille la 165e assemblée, où l'originalité de l'ambiance musicale nous plonge dans une admiration et un enseignement sur l'adoration à Dieu. Aussi à Kofi Gros, nous avons été merveilleux de réaliser que parmi les dirigeants ordonnés de la 162e assemblée se trouvait un non-voyant. Une leçon que l'amour véritable pour Dieu ne doit pas être défini par nos conditions de vie et quel que soit le handicap, on peut servir Dieu jusqu'à même diriger ses enfants. La sœur Marina, dirigeant numéro 2, est venue ici. Et puis le frère Sanogo Sibiri. Et aussi, cette deuxième journée fut marquée par de riches et courtes exhortations, essentiellement portées sur l'encouragement à considérer le sacrifice de Jésus en étant pleinement à son service.
Le lendemain samedi, dernier jour de la caravane, 5 assemblées à implanter sont prévues. Et c'est la localité de Maféré qui ouvrira le bal avec l'implantation de la 168e assemblée du Sud Congo. 168e assemblée. 168e assemblée. Du Sud Congo. Du Sud Congo. Est implantée. Est implantée. À 10h. À 10h. 27. 27. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Sur 2 Timothée, le chapitre 2, le pasteur Théo a encouragé les dirigeants de cette localité et leurs brebis à garder le modèle sur la base des enseignements reçus et à tenir ferme face aux tribulations produites par Satan. En retour et en application des recommandations dans Galates, le chapitre 6, le verset 6, les saints de Maféré ont exprimé leur joie en offrant un mouton et d'autres dons au couple Théo. C'est avec cette joie matinale que la délégation va poursuivre son périple pour achever les dernières implantations. Après Maféré, direction Nzobeno, dans la localité de Tiapa. Sois béni. Soyez les bienvenus. Amen. Et ici, la direction de l'Assemblée a été confiée à 3 Amazones du Seigneur Jésus qui ont reçu instruction du pasteur Théo de garder leur relation avec Dieu et d'emmener leurs brebis à faire de même. Et pendant ce temps, sont aussi implantés sous la direction de l'un des disciples du pasteur Paul, le missionnaire Bonaventure, la 170e et la 171e assemblée à Noama. 23 décembre 2023. À 11h. À 11h. 53 minutes. 53 minutes. Nous implantons. La première assemblée. La première assemblée. Les agneaux. De l'église MCI, de Noamou. La troisième caravane va ainsi s'achever avec l'implantation de la 172e assemblée de la région, précisément à Yania V6, une localité perdue dans les palmiers à perte de vue. Et le long chemin qui nous y attend est purement un sol latéritique, avec la prière de ne pas rencontrer un camion poids lourd au risque de se faire envelopper par la poussière. Et après ce long parcours, nous y arrivons. Dans les autres localités, un précieux ministère, riche en émotions, en enseignement, a été rendu. Sous la direction du pasteur Aimé, missionnaire de cette localité, l'église Ayania s'est distinguée comme une église qui a décidé de payer tout le prix dans la loyauté et l'amour pour le dirigeant régional pour la réussite de son ministère dans le Sud Congo. Et ce fut l'occasion pour le pasteur Théo d'encourager dans un style de reconnaissance tous les saints à être des aides pour leurs dirigeants. L'implantation à Yania, qui marque la 18e assemblée de cette caravane, a été un véritable moment de communion des saints dans cette localité avec le dirigeant de pasteur Théo, ne manquant pas d'envahir la rue principale du village pour exprimer leur joie et leur amour pour l'homme de Dieu, glorifiant le Seigneur avec des cantiques. Le V6 fait partie d'un village où on avait beaucoup investi là-dedans. Mais plusieurs fois, on avait prié ici, mais on avait toujours fermé. Donc notre souhait, c'était que l'église soit vraiment implantée. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que cette église vienne à l'essence. Il a permis que cette église connaisse la lumière. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui,
l'assemblée soit implantée. Parce que hier même, déjà, quand les frères, on a dit qu'on devait implanter l'arbre dont on a coupé la chambre, il y a les abeilles qui sont venues s'installer là. Vraiment, c'était terrible. On a prié la nuit que Dieu intervienne puissamment jusqu'au jour, afin que ces abeilles-là disparaissent. Frère, jusqu'au petit matin, les abeilles étaient encore là. Mais lorsqu'on a mis les bâches, elles ont disparu. Et on avait tous compris que Jésus-Christ avait déjà vraiment eu la victoire. La région du Sud Komo est dirigée par le pasteur Théo, a ainsi atteint son objectif en termes de caravane à organiser, à savoir 3 qui leur a permis d'implanter durant l'année 2023 48 assemblées pour un total de 172 assemblées dans cette région en fin décembre 2023. Cap est mis sur 2024 où l'objectif fixé est d'être 10 000 disciples dans le Sud Komo d'ici la fin de l'année. Quand une année commence dans le Sud Komo, nous avons pour habitude de rassembler tous les dirigeants, les missionnaires qui sont actifs dans le Sud Komo à une réunion de début d'année pour planifier l'année spirituelle. Et en fin 2022, nous étions déjà à 124 assemblées dans le Sud Komoué. Nous étions à un effectif de 5091 membres. Et nous avons décidé qu'en cette année 2023 dans laquelle nous nous trouvons, nous allons faire des caravanes d'implantation. Et pourquoi nous avons décidé de faire des caravanes d'implantation? Parce que nous avons constaté que lorsque nous permettons aux dirigeants dans les localités librement d'implanter les assemblées, souvent nous n'avons pas les résultats escomptés. Alors que quand nous mettons les caravanes à des dates indiquées, chacun s'étant contraint de donner du résultat pour participer à la caravane. Ça crée une nouvelle manière de la conquête. Ça crée une certaine joie dans la conquête. Et tout le monde veut donc participer à la caravane. Ça fait que le gagnement des âmes devient une affaire effective dans le Sud Komo. Et donc, en début d'année, nous avions planifié 3 caravanes pour cette année 2023. Par la grâce de Dieu, les 3 caravanes se sont tenues. À l'exception seulement que le nombre d'assemblées que nous voulions implanter ne sont pas arrivés à ce résultat. Parce que nous avions à cœur d'implanter 50 assemblées pour cette année 2023. Mais Dieu nous a fait grâce tout de même. Nous avons implanté 48 assemblées sur les 50 que nous voulions implanter. Nous sommes aujourd'hui, avant qu'on fasse le point des résultats de fin décembre, nous sommes déjà à 6446 membres déjà dans le Sud Komo actuellement. Vraiment, c'était fabuleux, merveilleux, intéressant. Je ne trouve pas de mots vraiment à dire. Tellement nous avons été touchés. Partons aussi préparer chez nous. Nous avons même déjà un peu commencé, mais on a bien vu. Alors, on va bien faire ça. Et Jésus a été vainqueur. Le Seigneur Jésus est donc, et avec plusieurs autres caravanes prévues en 2024, le but annuel sera sûrement atteint.